Les réactions d'aldolisation et de crotonisation sont très importantes en chimie organique parce qu'elles sont très utilisées en synthèse industrielle et c'est très important de bien les connaître et de bien les maîtriser. Alors de quoi s'agit-il? On va commencer par l'aldolisation à partir de l'exemple de l'acétaldéhyde ici qu'on va faire réagir dans un milieu catalyse basique pour obtenir ce composé. Ce composé, c'est ce qu'on appelle un aldol. Ald de aldéhyde, puisqu'on retrouve la fonction aldéhyde ici en bout de chaîne, et ol, puisqu'on va avoir une fonction alcool, le groupement OH ici, dans cette molécule. Alors, si j'étais parti d'une cétone, j'aurais ce qu'on appelle la réaction de cétolisation, avec l'obtention d'un cétol comme produit de la réaction. Alors, on va voir le mécanisme à partir de cet exemple de l'acétaldéhyde. Donc, sur l'acétaldéhyde, j'ai un carbone en alpha ici, qui porte 3 protons en alpha, donc je vais en dessiner un. Puisqu'on est en milieu basique, la première étape qui va se passer, c'est l'obtention de l'énolate correspondant. Donc je vais redéfinir ma base HO- ici, dans le milieu. Et donc ce qu'on va avoir dans une première étape, c'est la base qui va venir arracher ce proton, envoyer les électrons de cette liaison carbone-hydrogène sur le carbone, et je vais obtenir l'énolate correspondant avec toujours mon groupe carbonyle et le double anion liant et la charge négative sur le carbone. Et en parallèle, j'ai également protoné l'ion hydroxyde et donc obtenu une molécule d'eau. Et si je suis mes électrons, j'ai donc les électrons en bleu ici, en bleu foncé, qui étaient au départ au niveau de la base que je retrouve dans une liaison OH de la molécule d'eau, et mes électrons en bleu ciel au niveau de cette liaison carbone-hydrogène qui ont été rabattus sur ce carbone, qui correspondent au double anion liant et donc à la charge négative portée par ce carbone ici. Pour cet anion énolate, je peux écrire les structures de résonance, donc je vais m'accrocher. Je peux imaginer en effet le mouvement de ces électrons ici au niveau de la liaison carbone-carbone et en parallèle, je vais repousser les électrons pi de la double liaison carbone-oxygène sur l'oxygène et j'obtiens donc la forme mésomère suivante avec la charge négative portée par l'oxygène et une double liaison carbone-carbone. Cette forme mésomère qui est la plus contributrice dans l'hybride de résonance puisque c'est celle pour laquelle la charge négative est portée par l'oxygène. Cependant, pour tout le reste de cette vidéo et du mécanisme, je vais choisir d'écrire l'anion énolate sous la forme carbanion, avec le double anion liant et la charge négative portée par le carbone, parce que c'est la forme avec laquelle c'est plus simple d'écrire le mécanisme et de comprendre ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'écrirai préférentiellement la forme carbanion pour l'énolate tout au long de cette vidéo. Alors cette réaction ici, c'est une réaction acide-base qui est équilibrée, et la soude, c'est pas une base très très forte. Donc on va avoir formation de l'énolate en très petite quantité, et il va rester beaucoup d'acétaldéhyde majoritairement dans le milieu. Ce qui signifie que notre anion énolate ici va pouvoir réagir comme nucléophile sur une autre molécule d'acétaldéhyde présente dans le milieu. Donc je vais le réécrire ici sur la droite, ce sera plus simple. Donc j'ai une molécule d'acétaldéhyde que je représente comme ceci, et à côté je remets mon carbanion énolate comme ceci, avec donc ma charge négative sur ce carbone ici. Au niveau de mon acétaldéhyde, je sais que ma liaison carbone-oxygène ici, elle est polarisée et je vais avoir une charge partielle positive au niveau de ce carbone et une charge partielle négative au niveau de cet oxygène, puisque l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le carbone. J'ai donc un centre électrophile ici au niveau de ce carbone. Je vais pouvoir avoir une attaque nucléophile de l'anion énolate avec au niveau de ce doublet ici une attaque sur ce carbone. En parallèle, on va repousser les électrons de la liaison pi ici sur l'oxygène. Et je vais obtenir, comme produit de la réaction, cet intermédiaire réactionnel avec un oxygène 3 double non liant et une charge négative. Ici, un groupe carbonyle avec la double liaison carbone-oxygène. Et si je suis mes électrons, je vais avoir mes électrons en violet que je retrouve impliqués dans cette liaison carbone-carbone ici. Donc tout l'intérêt de cette réaction, c'est la formation d'une nouvelle liaison carbone-carbone grâce à cette attaque nucléophile ici. Et au niveau des électrons, j'ai également un doublet ici en orange qui correspond aux électrons pi de la liaison carbone-oxygène ici. Donc cet intermédiaire, c'est un alcoolate. On va pouvoir le protoner puisqu'on a de l'eau dans le milieu. Donc je dessine une molécule d'eau et je vais pouvoir récupérer un proton par une réaction acido-basique. Et ce doublet est envoyé sur l'oxygène. Et j'obtiens alors l'aldol avec la fonction groupe OH et l'aldéhyde en bout de chaîne. Et j'ai également formé l'anion hydroxyde, j'ai donc régénéré mon catalyseur. Et si je suis mes électrons, j'ai donc les électrons orange ici que je retrouve impliqués dans la liaison oxygène-hydrogène et mes électrons en vert clair que je retrouve comme doublet non liant sur l'atome d'oxygène ici. Donc voilà pour le mécanisme de formation de mon aldol en milieu catalyse basique.
Si j'étais partie d'une cétone, j'obtiendrais de la même manière, avec le même mécanisme, un cétol. Et en fonction des conditions opératoires, je peux m'arrêter à la formation de cet aldol ici, ou bien la réaction peut continuer. Et c'est ce qu'on appelle la réaction de crotonisation ou de condensation aldolique. Donc pour que la réaction continue, on est dans les mêmes conditions opératoires, mais il peut être nécessaire d'apporter de l'énergie sous forme de chaleur. Et donc si je continue ma réaction et que je ne m'arrête pas au stade de l'aldol ou du cétol, je vais obtenir un aldéhyde ou une cétone insaturé, avec une double liaison carbone-carbone ici au niveau du carbone en alpha du groupe carbonyle. Et donc c'est ce qu'on appelle un alpha-énal ou une alpha-énone. Le alpha pour signifier que on est au niveau du carbone en alpha ici. Le N pour parler de cette double liaison carbone-carbone. Donc là, on signifie qu'on a une double liaison carbone-carbone sur le carbone en alpha du groupe carbonyle, qui est soit une fonction aldéhyde, soit cétone, en fonction du réactif qu'on avait au départ. Et cette alpha-énal ou alpha-énone, elle est conjuguée. Et qui dit conjugaison, dit stabilité. Alors, on va voir le mécanisme. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette réaction, c'est la suite de l'aldolisation ou de l'acétolisation. Donc là, dans l'exemple de l'acétaldéhyde, je vais partir de l'aldol correspondant dont on a vu la formation dans le mécanisme précédent, avec la fonction alcool et la fonction aldéhyde, voilà. Et ce qui est intéressant sur cet aldol ici, c'est qu'on a un carbone en alpha ici, ce carbone en alpha ici, qui porte toujours deux protons alpha, donc je vais en dessiner un. Et on est toujours en milieu basique, donc j'ai toujours ma base HO- dans le milieu, qui va pouvoir venir former l'énolate correspondant en arrachant ce proton en alpha. Donc on va avoir, dans une première étape, une réaction acido-basique, qui va consister à venir déprotoner ici et former l'énolate correspondant. On va envoyer les électrons de cette liaison sur ce carbone. Et je vais donc obtenir l'énolate suivant. Donc pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je vais écrire l'énolate sous sa forme carbanion. Donc mon groupe OH fonction alcool, le groupe carbonyle fonction aldéhyde, et le double anion et la charge négative sur le carbone en alpha. Et je forme également une molécule d'eau en parallèle. Et si je suis mes électrons, j'ai donc les électrons en violet ici, qui sont maintenant impliqués dans une liaison oxygène-hydrogène, et mes électrons orange de la liaison carbone-hydrogène que je retrouve comme double anion liant au niveau de ce carbone ici, d'où la charge négative, et j'ai donc bien formé l'énolate. Et bien l'étape suivante, ça va être le mouvement de ces électrons ici qui vont se rabattre sur la liaison carbone-carbone et entraîner le départ du groupe partant HO-, avec ces électrons ici qui vont venir se rabattre sur l'oxygène. Et je vais donc former mon alpha-énal conjugué. Et en parallèle, j'ai régénéré mon catalyseur et je retiens HO-. Et si je suis juste mes électrons, j'ai donc les électrons orange ici au niveau du double anion liant qui correspondent maintenant aux électrons pi de cette double liaison carbone-carbone. Et mes électrons que j'avais mis en rose ici, qui ont permis le départ du groupe partant HO-, comme double anion liant sur l'oxygène de l'anion hydroxyde. D'un point de vue régiosélectivité, ici j'ai dessiné le produit pour lequel la double liaison est en configuration E. On a les deux substituants sur des côtés opposés par rapport à la double liaison. Ça, c'est le produit ultra majoritaire. Et j'obtiens une toute petite proportion du produit pour lequel la double liaison est en configuration Z. Donc très minoritaire, je le mets entre parenthèses. Et si tu as un exercice à faire, c'est ce produit-là que ton enseignant s'attend à trouver comme résultat. Donc voilà pour ce mécanisme de crotonisation. Ici, je l'ai dessiné à partir de l'acétaldéhyde, mais si on avait une cétone, on aurait exactement le même genre de mécanisme. Et d'ailleurs, on va voir un exemple tout de suite avec une cétone au départ, qui est la cyclohexanone, qu'on met en condition catalyse basique, NaOH-H2O, et on chauffe, et on obtient ce composé. Et donc le but ici, ça va être de décrire le mécanisme réactionnel. Donc dans un premier temps, je vais avoir une réaction de cétolisation, et ensuite une réaction de crotonisation. Alors, on commence par regarder les carbones en alpha qu'on a pour cette cétone. Donc on a deux carbones en alpha, ils sont tous les deux symétriques et complètement équivalents. Ils portent tous les deux deux hydrogènes en alpha, deux protons alpha. Donc on va en dessiner un en disant que c'est celui-ci qui va réagir. La première étape de la réaction, ça va être une réaction acide-base avec l'ion hydroxyde provenant de la soude ici. Et on va avoir dans un premier temps donc l'hydroxyde ici, l'anion hydroxyde qui va venir récupérer ce proton et envoyer les électrons de la liaison carbone-hydrogène sur ce carbone ici pour former l'énolate correspondant, que je vais dessiner sous sa forme carbanion, pour les mêmes raisons que ce que j'ai expliqué avant. Et j'ai également formé une molécule d'eau. Et si je suis mes électrons, donc les électrons orange ici que je retrouve au niveau de ce doublet non liant, et mes électrons en violet qui proviennent de l'anion hydroxyde que je retrouve dans une liaison oxygène-hydrogène de ma molécule d'eau. L'étape suivante, ça va donc être une attaque nucléophile
à partir de ce carbanion ici sur une molécule de cyclohexanone qui reste dans le milieu, puisque cette première réaction qui nous permet d'obtenir l'énolate, elle est équilibrée et surtout elle est peu déplacée vers la formation de l'énolate. On a donc beaucoup de cyclohexanone dans le milieu et un petit peu d'énolate qui va pouvoir réagir avec une molécule de cyclohexanone, donc que je vais dessiner comme ceci pour le mécanisme, avec une liaison polarisée, donc une charge partielle positive sur ce carbone et une charge partielle négative sur cet oxygène. Et ma réaction d'addition nucléophile, c'est donc ces électrons ici du double N en liant qui vont venir attaquer ce carbone centre électrophile. En parallèle, on va envoyer les électrons de la liaison pi ici sur l'oxygène. Et tout l'intérêt de cette réaction, ça va être la formation d'une liaison carbone-carbone, puisque je vais obtenir l'intermédiaire suivant, avec un premier cycle à 6 atomes de carbone, le groupe carbonyle, ici une nouvelle liaison avec l'autre cycle à 6 atomes de carbone, et là l'oxygène avec 3 doublés non liants et une charge négative. Et si je suis mes électrons, j'ai donc mes électrons en orange ici qui étaient au niveau du doublet non liant de l'énolate que je retrouve dans cette nouvelle liaison carbone-carbone que j'ai créée, et les électrons en bleu qui correspondaient ici à la liaison pi carbone-oxygène que je retrouve comme doublet non liant au niveau de l'oxygène ici. Donc là j'obtiens mon intermédiaire alcoolate, j'ai des molécules d'eau dans le milieu, je vais donc pouvoir protoner au niveau de cet oxygène. Avec une réaction acido-basique, on va venir récupérer un proton et en parallèle envoyer les électrons de cette liaison sur l'oxygène. Je vais descendre un petit peu et je vais donc obtenir mon cétol avec le premier cycle à 6 atomes de carbone, le groupe carbonyle, la liaison avec le deuxième cycle à 6 atomes de carbone et ici maintenant le groupe OH, la fonction alcool. Et j'ai également régénéré mon catalyseur, donc mon anion hydroxyle ici. Et si je suis mes électrons, j'ai donc mes électrons en bleu foncé ici que je retrouve au niveau de la liaison oxygène-hydrogène et mes électrons en bleu ciel que je retrouve comme doublet non liant sur cet atome d'oxygène ici. Donc voilà pour la première étape de cétolisation, j'ai donc obtenu un cétol. Et sur le carbone en alpha ici de ce groupe carbonyle, carbone en alpha que je mets en rouge, j'ai toujours un proton. Et donc vu qu'on est en condition, on va apporter de l'énergie en chauffant, on va pouvoir avoir la réaction de crotonisation qui va suivre. Pour cela, je vais faire intervenir à nouveau un anion hydroxyde dans le milieu qui va venir arracher ce proton en alpha. Donc si je repars de cet hydroxyde ici, il va venir récupérer ce proton en alpha ici. On va envoyer les électrons de la liaison carbone-hydrogène sur le carbone. Et suite à cette réaction, je vais obtenir le carbanion suivant. Avec le premier cycle à 6, c'est le groupe carbonyle, attaché au deuxième cycle à 6 avec le groupe OH, et sur ce carbone, un doublet non liant et une charge négative. Et en parallèle, j'ai formé une molécule d'eau, et si je suis mes électrons, j'ai donc les électrons en bleu ciel, qui étaient un doublet non liant au niveau de l'oxygène de l'hydroxyde, que je retrouve dans une liaison oxygène-hydrogène de ma molécule d'eau, et mes électrons en rose, qui étaient au niveau de la liaison carbone-hydrogène, que je retrouve comme doublet non liant au niveau de ce carbone ici. Et la dernière étape de ma réaction, ça va être le mouvement de ces électrons du doublet non liant ici, justement, qui vont se rabattre sur cette liaison carbone-carbone et permettre le départ du groupe partant H-, avec les électrons de la liaison carbone-oxygène qui vont venir sur l'oxygène ici. Je vais descendre un petit peu pour faire de la place. Et j'obtiens donc, dans cette dernière étape, ma cétone insaturée, mon alpha-énone, avec le premier cycle à 6 et les groupes carbonyles, lié au deuxième cycle à 6 atomes de carbone par une double liaison. Et également, j'ai régénéré mon catalyseur en formant H-. Et si je suis mes électrons, j'ai donc des électrons en rose ici du doublet non liant que je retrouve dans la double liaison carbone-carbone ici, et mes électrons en vert dont le mouvement a permis le départ du groupe partant comme doublet non liant au niveau de l'oxygène ici. Donc mon produit obtenu, c'est bien mon alpha-énone conjugué.